Alors, nous allons prendre le point 1.1, ouverture de la séance qui est faite. Le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Monsieur Grégoire. D'entrée de jeu, c'est le chef de l'opposition, Gilles Grégoire, qui impose l'agenda sur la question. À l'adoption de l'ordre du jour, il fait ajouter une 70e résolution. Y allant de considérant, il fait part au Conseil que la signalisation entre en conflit avec le travail de la table de vie de quartier de Lemoine et du comité de revitalisation urbaine intégrée de la rue Saint-Louis. J'ai soin de lire les considérants, je prendrai la décision après, mais j'aimerais lire les considérants pour ajouter à l'ordre du jour une recommandation qui vient suite à la pétition qui a été signée sur la rue Saint-Louis. Allez-y. Monsieur le Président, considérant que depuis au moins 3 ans, dans le cadre du programme de revitalisation urbaine intégrée, la table de vie de quartier de Lemoine et la ville de Longueuil ont déjà engagé des fonds monétaires importants et physiques pour revitaliser l'artère commerciale Saint-Louis. Considérant que le comité de revitalisation urbaine intégrée travaille présentement sur un programme particulier d'urbanisme PPU pour revitaliser la rue Saint-Louis, considérant que la nouvelle signalisation entre en conflit avec le travail de la table de vie de quartier de Lemoine et de comité de revitalisation urbaine intégrée, considérant que la nouvelle signalisation nuit aux commerçants, nous proposons que les nouvelles affiches d'interdiction de stationner à certaines heures dans l'après-midi en particulier soient enlevées et que le statu quo soit conservé jusqu'à ce que le programme particulier d'urbanisme soit déposé et accepté par le conseil. Merci, Monsieur Guérois. La conseillère Monique Bastien n'a pas d'objection. D'or et déjà, les jeux étaient joués. L'administration Saint-Hilaire reculait. Mme Bastien. Monsieur le Président, considérant que je suis l'élu responsable du dossier de la RUI, ayant pris connaissance de la demande de M. Grégoire, par contre, j'aurais apprécié avoir les considérants avant, afin qu'on puisse bien en évaluer le libellé. Je propose l'ajout proposé par M. Grégoire. J'accepte l'ajout proposé par M. Grégoire à l'autre jour. Très bien. Maintenant, j'appellerai Mme Sylvie Demers. Entre-temps, lors de la période de questions aux citoyens, un témoignage d'une imposante conviction de la part d'une commerçante vient ajouter de l'huile sur le feu. Moi, je représente les commerçants de la rue Saint-Louis. Suite à une nouvelle signalisation de défense de stationner. Supporté d'une pétition de 500 noms, les gens du quartier Lemoine disent non à l'administration Saint-Hilaire. C'est quelque chose qui nous cause à nous depuis une semaine des problèmes immenses, des pertes de revenus considérables et on se sent vraiment biaisé par cette décision-là à laquelle on n'a pas été convier. Moi, je suis coiffeuse. Vous allez tous chez le coiffeur. Votre femme probablement plus longtemps que vous dans un rendez-vous. Mais moi, si j'ai une cliente sur ma chaise qui est assise puis qui vient se faire une coloration avec des mèches, ça lui prend au moins un 2h, 2h30. Et elle ne peut pas sortir avec ses papiers sur la tête pour aller déplacer sa voiture. Ça, c'est en gros, ce que vivent tous les commerçants, des contraintes épouvantables. Nous autres, on vous a fait une pétition ici. En quelques, vraiment là, très rapidement, on a déjà 500 signatures. Et ça, là, c'est les clients qui nous disaient, hey, on peut plus stationner chez toi, on peut plus stationner en face de chez toi. Donc, on a fait ça très, 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 très rapidement en une semaine pour être capable de vous présenter quelque chose ici ce soir. Mais on n'a même pas encore consulté les résidents, on n'a pas pu voir tout le monde. Mais pour nous, c'est quelque chose de vraiment terrible. Pourquoi ça serait les commerçants et les citoyens, bien entendu, qui devraient payer la note pour ça? Je vous cite la fleuriste et aussi un commerçant qui vend de la nourriture pour chiens et chats. Ces commerçants-là, les gens arrêtent 5 minutes, prennent le fleur, prennent la nourriture et partent. On va chercher de la clientèle qui vont vers Saint-Bruno. Mais cette clientèle-là, à l'heure critique, parce que notre pic d'affaires est entre 3h et 6h.
c'est notre pic d'affaires, bien, on vient nous le ruiner. Puis je me demande, face à les commissions comme la RUI, là, puis tout ça, qui sont en train de faire des plans d'urbanisme pour nous aider à revitaliser le Moine, je pense qu'ils se parlent pas, là. Ils se parlent pas, là. Parce que un veut nous aider, puis l'autre nous coupe l'herbe sur pied. Fait, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'ils nous donnent la chance, qu'ils nous donnent la chance en nous faisant des stationnements ou en nous aidant. Peut-être qu'éventuellement, ils pourront le faire, mais en attendant qu'ils nous considèrent. Parce que c'est des pertes d'argent. Je voudrais pas qu'ils nous arrivent comme à Saint-Lambert avec toute leur folie qu'ils ont fait au niveau des stationnements. Moi, ma clientèle vient beaucoup de là. Ils ne vont plus à Saint-Lambert. Ils ne vont plus au village. Marchant sur des œufs, Monique Bastien propose un moratoire en attente d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur de revitalisation urbaine intégrée qui devait englober la révision de la signalisation, ce que le chef de l'opposition, Gilles Grégoire, refuse. Alors, en attente de l'adoption du programme particulier d'urbanisme du secteur, qui devrait aussi englober la révision de la signalisation du secteur, nous sommes d'accord avec un moratoire sur l'installation et dès que le programme particulier d'urbanisme sera adopté, nous pourrons réévaluer la situation de la signalisation dans tout le secteur de revitalisation urbaine intégrée. Merci, M. le Président. Merci. Oui, M. le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Un moratoire, ça veut dire que ça reste comme ça. On demande à redevenir au statu quo, allant à les enceintes qui étaient installées auparavant, Mme Bastien, juste pour clarifier la situation, avant que des commerçants ou des clients reçoivent des contraventions par la Ville de Longueuil. Alors, je clarifie la situation, M. le Président. Nous allons acquiescer à la demande. Monique Bastien propose d'attendre la tenue du prochain comité exécutif pour reculer sur la recommandation entérinée le mois passé, ce qui a fait bondir les conseillers indépendants, Michel Latendresse et Joanne Fontaine-Deshayes, sur la question de la souveraineté du Conseil. Monsieur Latendresse, excusez-moi. Si j'ai bien compris, est-ce qu'on enlève les affiches d'interdiction sur le boulevard Saint-Louis? C'est ce qu'on a bien compris, à partir de demain. Monsieur le Président, ce sont des recommandations qui sont présentées à l'exécutif et l'exécutif ne siégeant que le 4 septembre prochain. Ça sera entériné le 4 septembre prochain. Mais le Conseil n'est pas souverain, Monsieur le Président? Monsieur le Président? Monsieur le Président? Madame Fontaine, avant que vous disiez adopter, c'était ouvert. Je répète le Conseil de ce que j'ai appris. Il est souverain. C'est pas le comité exécutif qui est souverain. Donc, si le Conseil prend une décision ce soir, c'est exécutif. En fin de stratégie, le chef de l'opposition aurait fait plier les genoux de l'administration Saint-Hilaire, du moins, sur cette question. Oui, monsieur le chef de l'opposition. Et merci, Mme Bastien. Je pense que les gens du secteur vont être très, très heureux d'apprendre la nouvelle. Et en attendant, pour pas que les gens, justement, reçoivent de contraventions ou qu'ils puissent stationner, est-ce que ça serait possible d'avertir la Commission de sécurité publique ou la sécurité publique de ne pas émettre de contraventions, s'il vous plaît? J'ai déjà eu des demandes faites à la sécurité publique lors des événements dans un centre récréatif ou dans un sol d'église où il y avait beaucoup d'achalandage, et les travaux publics, le matin même, sont venus mettre des sacs par-dessus les annonces, et comme ça, bien, l'affiche n'est pas légale et les gens peuvent stationner sans problème, sans contravention. On envoie un camion des travaux publics sur la rue Saint-Louis sur un côté qui brime les citoyens de 3h30 à 6h30. 20 minutes, les gars mettent des sacs, mettent du ruban gommé, puis c'est fini. On n'en parle plus, tout le monde est heureux. Puis la sécurité publique se voit détachée de plaintes ou d'émettre des contraventions, puis d'aller en cours pour essayer de contester ça, puisque le Conseil a déjà pris sa décision que oui, on les retire, là, ces fameuses affiches. Merci. Bien, merci. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Monsieur le Président, le directeur général en a pris bonne note. Il va s'en occuper dès demain matin. Alors,
Voilà. Merci beaucoup. Donc, adopté. Un reportage de Jacques Marchand pour Médias Sud.